peuple de Dieu, et bienvenue dans votre émission L'ère de la vérité sur les meilleurs sites Vertu TV. En savoir, Vertu TV c'est une chaîne chrétienne dont l'objectif est d'évangéliser. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important avec les amis, et avant de présenter les invités du jour, je dis un grand merci à mon équipe technique. Là je vois Jos Kingono, Audrey Makela, Chris Makela, sans oublier toutes les mamas de LPP et les managers de tous les managers, Patrick Wassola, Oazana Rondre, Oazou Manager de l'émission Oyo. Aujourd'hui avec les groupes, les ministres de Tokolobela, sujet Moko, les des anges. Tokotana Kati, Peo Kabango, Lenge Bako Yemba, Pendenge, Bako Lobela, sujet Wana. De Jésus-Christ, je suis avec les frères Dibeste Fataï, les prophètes Justin Malonda, l'évangéliste Pierre et les groupes Les Aiglons Ministrés que je dis bonjour. Avec le groupe Les Aiglons, et nous allons parler d'un thème très important sur les deux anges. Mais avant de commencer notre émission, nous allons écouter une adoration pour remercier notre Seigneur Jésus-Christ. Thank you.
Bien le groupe, nous avons les examens ministres. Nous avons tous nous appelons ensemble. Nous avons eu l'exemple pour que ce marché vraiment avec Dieu. Et avec Dieu, nous ferons des espoirs. C'est-à-dire nous marchons avec Dieu. Nous avons eu l'exploit et comme nous avons vraiment senti les âmes à l'âme. Nous avons eu l'exemple de Dieu. Nous avons eu des amis. Je dirais que nous avons eu l'exemple de la journée pour nous salaki. Et nous allons expliquer vraiment peuple de Dieu sur les deux âges. Donc le message est important, la thème de la qui ma peuple de Dieu, par rapport à la thème pour tout le monde, et par rapport à la thème de la qui les deux âges. Alors le thème de la qui tiré dans le passage pour nous appeler sa question, c'était au travers de ce passage, nous avons tiré le thème de la deux âges. Est-ce que vous avez quelques minutes. Ok, merci. Voilà, nous avons dit la mission de Genèse chapitre 19. Attends, comme on est ça. Genèse chapitre 19, premier verset, Bilobi. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il se leva pour aller au devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Verset 2. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Alléluia. Deux ans, c'est un passage Oyo qui témoigne les deux anges. Alors, par rapport à mon tout le monde, dans le moment où tu as commis le monde entier, parce que Lot était assis à la porte de Sodome. Alors, Sodome, moi, je suis dans la porte pour aller, je suis dans les amis, il m'a jamais quitté. Oh, il m'a tellement écouté, et faisant ça dans ma mingi, il y a un moment où Lot est dans la porte de Sodome. Alors, dans l'autre monde, il y a un ange, c'est-à-dire, mon salam ange, il y a un ange. Il y a un message pour sauver les bottes à mon dans Sodome. Il y a un autre monde qui a été sauvé par rapport à ta haute commune de l'eau. Pour te obéir à l'eau, par rapport à mon haute commune de l'eau, les Seigneurs ont été bombés par l'ange qui a été sauvé. Les Seigneurs ont été bombés par l'ange qui a été sauvé. Je vais vous poser la question de mon père de la biblique qui est au lobby. Ange basala qui m'ibale et ma salon basala qui m'ibale. Mais pourquoi l'autre cas n'est pas signé la vie? Bon, la salon basala qui est belé ou ma messin qui ne m'a belé au salon. Mais le problème d'abord, c'est pour comprendre. Et l'on est pour ça qui l'autre a gagné au serré trouvé la rate de salon. Son temps la Genèse chapitre 12 pour mes personnes. Nous avons besoin d'Abraham à quitter notre bateau, mon canaille. À ce moment-là, il y a qui ne s'y camoufle pas, qui ne repart pas l'Abraham. Abraham voilà qui ne y est, mon père est dans le bateau. Nous avons Abraham a joué une vue dans l'autre. N'a pas bipoulé, n'a pas tout beaucoup la bipoulé. De bas Simba qui nous est là, bas Tambo qui est longo. Alors qu'on connaît là-bas moi est longo. De bas tout beaucoup la bipoulé, bas bandit au sol, au sol. Mon beau tour, mon beau le bipoulé à Abraham, n'a pas beaucoup le bipoulé à l'autre. C'était à cause de la dispute. Et c'est ce que l'autre a fait. Baka Bolana Abraham. Bon, c'est l'autre qui a fait. Sauf que l'autre est à gauche, il est à droite. L'autre, dans la tomboli, mon mis, mon musica, a moni, la plaine qui était tellement arrosée. En moi, je me suis dit que l'autre a fait une plaque qui a été retrouvée. Vous voyez, dans la Sodome, c'était comme ça. Maintenant, l'autre a commis dans la Sodome. Je crois que cela qui fait fort na ye a déjà pour que madame bon la montée mais ça qui passe. Et na tina kozala passe on l'autre avant na qui na porte sur madame qui triste mawa. Adina té son en bas di bot dans un bazo yo kate. C'est ça votre réponse. Nous comment les sous que Zambé a dit avoir les deux ans sa parole de l'internet mais ba ange bazala qui on a dit Zambé dit qu'il a deux ans. Ok, pourquoi nous avons battu vers deux anges? Ah, c'est une bonne question. Vraiment, premier ange, il le dit dans Jean chapitre 1, verset 1, chapitre 1, verset 1, il le dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. C'est-à-dire, premier ange, ah, c'est le premier ange, c'est lui-même Jésus-Christ.
Parce que Jésus-Christ nous a apporté la parole. Jésus-Christ nous a apporté la bonne nouvelle. Voilà pourquoi, si on est dans Matthieu chapitre 13, mais vous savez, tant que Christ allait côté, il y a Malobanzam. Vous savez, partout où Christ passait, il y avait toujours une grande multitude de les Hollandais. Pour faire quoi? Bah, il n'a pas ça aussi, il nous a enseigné. C'est-à-dire, le premier ange, il nous a apporté la parole, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous en prie, acclamez Jésus. Question aussi, nous allons continuer avant tout de ce cantique de Mbamaram. Mon question est retournée au prophète Justin Malonda. Pour mon nom, dans mon canada, il y a Marc 16, la vie est sur le Apophagi, et sur la tête de notre filtre. Mais tant qu'on va dire que Dieu a envoyé deux anges pour que nous ayons un filtre, pas que ce filtre est à Yesu. Et tous autres nagent toujours dans deux anges. Et tous les autres sont libres. Pour la ligne, le chiffre D, ils ont symbolisé la Bible. Donc, ce qui est déjà dans l'Exode chapitre 3, aux hommes, on a déjà, lorsque Dieu appelle Moïse, il appelle des fois. Dieu dit Moïse, Moïse. Et si tu as lu la manière d'agir de Dieu, puis déjà dans Genèse chapitre 1, verset 1, tu vois déjà au commencement, était la, au commencement du ciel sur la terre, la terre était informée, il y avait des ténèbres à la surface de la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de Dieu. Alors, Dieu, il y a toujours, nous aimons par sa manière d'agir. Il agit toujours de deux manières. Dieu agit par la parole, il agit aussi par sa puissance. Voilà pourquoi, même ce qui est dans Matthieu chapitre 17, on aurait trouvé que Jésus-Christ était là dans la gloire, mais deux personnes vont apparaître dans la catina gloire avec le Christ. C'était Moïse et Dieu. Vous avez aussi des questions dans la Oui. Alors, ce qui est dans Matthieu chapitre 5, la Bible dit que ne croyez pas que le Fils de l'homme soit venu sur terre pour abolir la loi et les prophètes. Amen. Sauf que dans, je pense, dans Luc chapitre 15, 16, place où Abraham, les riches, un riche où il y a qui n'a pas de tourment. Bible dit que riche Azo et Abraham envoie Lazare pour qu'il aille parler avec mes frères. J'ai cinq frères. Abraham a initié, ils ont Moïse et les prophètes. Vous comprenez, les gars? Qu'est-ce que Matthieu chapitre 2? Pour faire comprendre la question. Matthieu chapitre 2. Vous remarquez que tant que vous mangez, vous avez une étoile. Et si vous avez une étoile, vous avez une étoile. Vous avez une étoile, vous avez une étoile. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que l'objectif, il y a un mage, vous avez arrivé ici, vous avez une étoile, et tu fais tout. Mais l'étoile, c'est l'étoile qui les conduisait. Ils allaient où la boussole là-bas. Alors, c'est là qui va recourir dans le moyen de la Bible. La Bible dit qu'ils sont à Jérusalem et ils ont rassemblé quoi, les scribes. Et parce que, que Jésus-Christ est déjà né, mais ils ne savaient pas où. Ils ne savaient pas les. Alors que les scribes, les principaux sacrificateurs, ils ont été battus. Et si ils ont envoyé son robot, parce qu'ils savaient la loi. Mais bah, on va y quitter que Yesu aussi à votre. Alors le Seigneur là qui, bah, on va y habiter, n'a pas on va y habiter comme ça. Parce que l'objectif de l'église, c'est d'arriver ici qu'on va payer son baptême. Mais pour arriver jusqu'à le lieu où Jésus est né, il faut que la parole soit là, il faut que l'esprit aussi soit là. Il y a un moment où Yesu, tant que Yesu a commis la fin du ministère, je m'en vais vers celui qui m'envoie. Je ne vous laisse pas orphelin. Moi, je m'en vais, mais je vous enverrai celui qui viendra expliquer. Parce que Christ, son message était un énigme. Il y a son message, ils n'ont jamais compris. Ni il n'y a pas de foule, ni il n'y a pas de disciples. Parce qu'il y avait deux dimensions. Il y a parabole. Jésus-Christ, c'était d'abord sa personne. C'était un énigme. C'était une parabole. Alors, tant que vous avez fait un ministère, je vous ai dit des choses. Vous ne comprenez pas. Mais lorsque le Saint-Esprit sera venu, lui, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire qu'une personne qui a la parole, mais qui n'a pas l'explication de cette parole, n'a pas encore reçu la parole. Amen. Donc il faut que Jésus-Christ soit là. Il faut que le Saint-Esprit aussi soit là. Voilà les deux anges. Tu peux acclamer Jésus. Comment expliquer la parole? Bon, la parole,
C'est simple, la parole c'est Dieu. Sautani Genèse chapitre 1, c'est vrai, Bible, les livres, nous présent. Ce n'est pas un livre facile, hein. Il faut avoir l'esprit. La Bible dit au commencement était la parole. Mais, en français, il y a la parole. Mais en grec, il y a le logos. Sauf qu'il y a le logos, le logos, sauf qu'il y a le comprendre, il y a un mot prononcé, une expression. Il y a une explication tellement émêlée que tu as épuisé au cours d'une émission. Mais lorsqu'on parle de la parole, Jésus-Christ, c'est la parole. Cette parole était avec une parole qui existait. Et ça, c'était une parole. Mais ce qu'on comprend, on a une parole, non. C'était une expression personnifiée. Une vie, une parole vivante. Donc, mais arrivé à un certain moment, parce que dans l'enseignement, on a aussi la division biblique du temps. Et ça, dans le temps où Dieu s'est décidé lui-même à comment la tâche. Il est Dieu lui-même. Arrivé à un certain moment, a commis Dieu, il était avec Dieu. Penasou Kavalobi, il était Dieu. La parole, pour Yébanza, mais bien, Dieu se trouve dans les mots. Oh, la Bible, dans la Bible, nous n'y trouvons que des mots. Et ces mots-là, c'est la parole. Amen. Merci, peuple de Dieu. Merci, ma secrétaire. Nous sommes à Vertu TV. Nous allons continuer dans le groupe Les Aigles Ministries. Donc, quand tu nous poses sur Malamou, pour les divertir, nous sommes toujours les mêmes dans Jésus-Christ.
toujours l'émission de l'émission. Nous toujours le mélange des anges. Et on va continuer ceux qui frère de Bester ou évangéliste et prophète pour répondre à l'aïe. On a continué toujours le même sujet et même question dans la mort. On a qui n'a marqué, non, c'était Jean 20, 12. Mais Jésus a Koufaki. Mais il y a qui Jésus avec le chemin, la vie, la vérité. Mais pourquoi bâtir les des anges pour Kenya? Tout ça pour ça, peuple de Dieu, t'expliquer que c'est Vertu TV, pour savoir comprendre vraiment le message. D'abord, je vais vous faire des bêtises à répondre à une question. Pour comprendre d'abord, nini d'abord, deux anges, je vais pour ça, là, dans ce moment. Et si vous avez là, parce que vous avez un chapitre 19, si vous avez un chapitre 18, vous remarquez que ce ange, il y a trois personnes. Dans Genèse chapitre 18, verset 5, trois personnes. Ange Abraham a vendu na manoré, a moni trois personnes bazon. Peut-être parler façon de lui saluer, parce que à ce moment-là, le nom d'Abraham, d'Abraham n'était plus Abraham, c'était Abraham. Alors, peut-être pas tant on dit bonjour Abraham. Abraham a compris que mon tour est bien gagné na combo yo. Ils ont quand même tout changé dans la combo. La Bible dit Abraham a couru à qui pour se procéder, pour son avant-goût, si plié par un baïa bavan là-bas. Après avoir couru, pour ça, la nuit, c'est pas ça, la Abraham a quitté Kabam. Parce que pendant nous, on continue chemin là-bas. Après, fait quelque part, Dieu a comme commis tout. Cacherai-je Abraham, ce que je peux faire. Abraham deviendra certainement une grande nation. De lui sortira des peuples comme ça. Je lui ai appelé pour qu'il ordonne à sa maison après lui. L'observer les commandements de l'Éternel. Nous avons un ça. Si nous avons mis ça, nous avons mis ça. 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 Nous avons mis parce que Abraham savait que l'autre était aussi à Sodome, il demeurait là. Abraham a commencé, est-ce que ce qui est 50 juste pour ma gaga? Est-ce que ce qui est 40? Alors que des anges, si ma présidente, n'est tous à bouer, puisque la Bible dit que les deux anges arrivaient vers le soir. Amen. Vers le soir. Sauf que dans Jean chapitre 12, verset 35, il y a la lumière est encore auprès de vous un peu de temps. Chaque commencement est la capelle, fin sous le camou. Cela veut dire que lorsqu'une chose commence, la chose qui tend vers la fin inaugure une autre chose qui fait commencer. Jésus-Christ a yéna sous le temps et la loi, parce que Dieu a créé ces jours. Mais ces jours ne sont pas des jours d'invitation, ce sont des jours prophétiques. Jour à l'ibosso prophétique, ben en l'innocence. Deuxième jour, c'est la responsabilité morale. Troisième jour, c'est le gouvernement humain. Quatrième jour, biblique, va ben en les promesses. Quatrième jour, c'est la loi. Jésus qui s'est venu à la fin de la loi pour accomplir la loi afin de nous amener dans la sixième jour. Dans le sixième jour qui est le jour de la grâce de l'Église. Donc, tant que vous voyez ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que dire que vous avez dit 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 que vous avez des anges. Jésus qui s'est venu. Jésus qui s'est envoyé. Déjà, tout le temps dans la Bible, il dit que dès la venue du Christ, c'est que fin du temps est si mal. Tant que vous voyez, alors, c'est le soir déjà, parce que c'est la fin. Alors, tant que Jésus qui s'est venu, parce que l'esprit ne peut pas agir s'il n'y a pas un principe, une règle, une parole. L'esprit n'agit que là où il y a la parole. Même dans la Genèse, même malgré que l'esprit s'est mouvant, mais l'esprit n'agissait pas. Lorsque l'esprit a écouté une parole prononcée, l'esprit est entré en action. L'esprit a commencé à agir. Amen. Voilà pourquoi Jésus qui s'est venu à préparer Nzela. Parce que l'objectif, il y a Nzela, mes amis, qu'il habite dans la créature qu'il a créée, où il y a une image, puis dans la ressemblance. Amen. Super. Merci.
nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je dis un grand merci à mon équipe technique, là je vois Jos Kingono, Chris Makela, Audrey Makela. Je salue encore Keina Ndjumba, ma fille, Marielle Moukoko, Kefina Moukoko, Minini Chabou. Donc il m'a dit que vous avez fait une émission tellement beaucoup. Et vous avez toujours branché la chaîne Nabino Gartu TV. Et pour copier ça vous donne l'information où les alliés à moto à Tindabusson Bukini. Parce que le bino l'année est fou. Je vous laisse.